Depuis ce matin, 6 heures, la menace est entrée en vigueur. Les États-Unis et la Chine, les deux plus grosses économies mondiales, s'imposent des taxes douanières réciproques sur des dizaines de milliards de dollars de marchandises. La guerre commerciale est lancée. Les États-Unis imposent leurs tarifs sur 29 milliards d'euros d'importations chinoises. La Chine réplique sur exactement le même montant. Et si Pékin persiste à augmenter ses tarifs douaniers, promet l'administration Trump, les taxes pourraient augmenter et concerner 385 milliards de dollars de produits chinois. Les tarifs douaniers américains frapperont 818 produits, dont des voitures, des composants d'avions ou des disques durs d'ordinateurs, tout en épargnant des biens populaires comme les téléphones portables ou les télévisions. Les produits chinois seront 25% plus chers pour les consommateurs américains. Quant aux taxes chinoises, elles affecteront des produits américains agricoles, dont le soja, très dépendant du marché chinois. Ou encore des produits de la mer comme les langoustes et le secteur automobile. D'autres pays pourraient souffrir des dommages collatéraux de cette guerre commerciale, par exemple les constructeurs allemands Daimler et BMW qui produisent tous les deux des véhicules outre-Atlantique exportés en Chine. Si une guerre commerciale totale éclate, si l'Union européenne s'en mêle et que l'on voit beaucoup de mesures de rétorsion, les Chinois ont calculé que cela pourrait faire chuter le marché mondial de 70%. L'Organisation mondiale du commerce s'alarme. Ces tensions commerciales pourraient faire dérailler la croissance économique mondiale.